Y'a personne. Oui! S'il me croit ailleurs, il s'en ira. Carlo! 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 C'est bien que tu sois là. J'ai un tour de magie pour toi. Je hais la magie. Comment peux-tu détester la magie? C'est magique. Ah, d'accord. Montre-moi ton tour de magie. Regarde bien, Carlo. Tes yeux auront du mal à suivre. Ah, désolé, je peux pas, j'ai plus d'yeux. Oh, j'aimerais tant faire le tour que j'ai appris. Ah non, plus d'yeux. Sandy! Sandy, j'ai un truc à te montrer. Prends une carte, n'importe... Sandy, elle est où ta tête? Oh, je suis désolée, Bob. Je ne voulais pas te faire peur. Ma tête est dans une autre dimension. Elle fait des recherches. Hey, d'accord. Je reviendrai te voir quand tu auras toute ta tête. Elle devrait être de retour jeudi. Vendredi ou plus tard. Pourquoi personne ne veut regarder mon tour? Donne une idée. Voilà. Bonsoir à tous, je suis le grand Bobini. Soyez attentifs, vos yeux auront du mal à suivre. Prenez une carte, n'importe laquelle. Oh, si seulement Patrick avait été là. J'ai vu ton tour de magie, Bob. C'était vraiment fantasmabuleux. Oh, Patrick, t'es arrivé pile à temps. Qu'est-ce que tu as préféré? Mon moment préféré, tada! J'ai tout loupé avant ça. Oh, alors tu n'as pas vu le meilleur. J'ai des suivants. Oh, je ne vous avais pas vu. François Krabis. C'est ça, François. Bon alors, je vois que tu es plus jeune et plus petit que moi, donc je vais te tutoyer. Et d'après le règlement des enfants, tu dois faire tout ce que je te dis. J'adore la télévision. Donc il n'y a pas de débat. Bienvenue chez nous. Ta formation commence demain matin. Wow, c'est super. Merci beaucoup. Chaque manette a une fonction précise qui est utile au bon déroulement du Patrick Show. Celle-ci, par exemple, sert à lancer des tronçonneuses à Patrick. Celle-ci le met à son emplacement suivant. Et celle-là, c'est quoi sa fonction? Humour à deux baffes. Il faudra que tu fasses attention à ne pas trop en abuser. Nom d'une crevette! Quelqu'un a volé tout mon matériel de production! On a pris ma collection de Napro tout.
cacher mon visage. Oh, c'est... Qui donc a bien pu faire une chose pareille? Bonjour, Bikini Bottom. Soyez les bienvenus au Krabina Show avec ma grande sœur, Krabina. C'est moi, Krabina. François, il nous a volé le Patrick Show et aussi tout ce qui nous appartenait. Voilà, vas-y, relique le bien modèle. Tu as réussi! C'est bien Oursouille, brave bête! Il est temps de montrer à François qui est le patron! Ah! Il doit être là, quelque part! Trouvez-le! Ah! Tout reprendre. Une grande chaîne a vu notre émission ce matin et on vient de signer pour 6 saisons avec eux. Ouais, le Krabina Show va se mondialiser. De toute façon, votre matériel est complètement ratatiné. C'est vraiment une excellente idée, Papy Pat. Ne t'en prends pas à moi, sous prétexte que tu ne peux pas piller comme tu voudrais. Content de vous retrouver pour le Krabina Show! On se lâche jamais de l'humour à deux baffes. Qu'est-ce que tu as, Sorette? Ça te rend triste de voir que François a volé toutes nos idées et qu'il s'en est servi pour réaliser notre rêve en s'en fout à mieux? Oui, un petit peu, peut-être. Eh ben, ça va pas se passer comme ça! La télé, ça devrait rendre tout le temps heureux! Viens, mon toutou! Allez, pipi! Attaque! Je pense qu'on devrait pas entrer chez le capitaine Krabs en son absence. Oh, ça, ça a bien fait l'affaire. Tu veux boire un coup? Non, merci. S.S. Carpus. C'est un nom idiot pour de l'eau de source. Patrick, c'était pas du tout de l'eau de source. T'as avalé l'un des objets les plus précieux de Monsieur Krabs, son bâton en bouteille. Sors de là, le bâton! Sors de là, tonton! Je vais t'aider! Sors de là! C'est toi, Bob? Où est ces Scarpus? Oh non, c'est le tout premier bateau sur lequel j'ai navigué! Et il a fait naufrage! On est sincèrement désolé, Monsieur Krabs, on ne voulait pas. Mais qu'est-ce que t'entends par on, hein? Je voulais dire. Moi. Je suis surpris qu'un gentil garçon comme toi se retrouve impliqué dans ces agissements de crapule. Je suis désolé, mais tu ne me laisses pas d'autre choix que de t'envoyer en isolement, compris? En isolement? Alors, t'es prêt à payer ta dette à la société? Bon, alors prépare-toi bien parce que tu vas souffrir, mon garçon. Ça va, t'es à l'aise? Tiens, mais c'est tout toi.
Et c'est un petit creux, il y a des choses à grignoter dans le frigo. La butière. Ah, c'est pas si terrible que ça. Une autre fripouille à mettre au trou. Oh, oh. Voilà. Bien, je vous laisse. Je vous laisse vous étendre, hein. Je reviendrai dans un moment. Mon copain, je suis venu pour te tenir compagnie. T'es content? Attendez, je vous connais, vous? C'est moi, Patrick. Le souci, c'est que j'ai déjà un Patrick. C'est lui, Patrick. C'est mon meilleur ami. Mais je croyais que c'était moi, ton meilleur ami. Je suis le seul qui ait le droit de murmurer dans les trous de mon ami Bob l'éponge. Hé, hey, toi, écoute, j'admets que t'es sans doute plus intelligent que moi. Et j'admets que tu sens meilleur que moi. Et évidemment, j'admets que tu es plus beau que moi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais je m'en fiche, Bob et mon éponge à moi. Patrick, c'est pas mal à Patrick. Je pourrais, mais qu'il arrête d'être aussi beau dans ce cas-là. Oui. Tu vas me lâcher, espèce d'Apollon! Oh, allez, reprends-toi et bats-toi, magnifique créature à faire damner tous les saints! Patrick, ça va aller. Salut Patrick! T'as entendu, Bob? C'est terminé, on est libre! Alors allons-y! Encore en retard! Voilà, là y a le compte. Moi, je m'efforce de faire la pointe. Et vous, vous n'êtes jamais à l'heure! Oh non, manquez plus que lui! Respectez les limitations, vous mordez sur la ligne! J'ai rarement vu un bus aussi répugnant. Ah, l'odeur me fait penser aux aisselles puantes d'un argent. Ça suffit, j'en ai assez! Le crâne croustillant! Non mais c'est pas vrai ça! Espèce de chauffard, je suis capable de conduire le bus 100 fois mieux que toi! Ah oui? Moi aussi, je peux faire ton métier 100 fois mieux que toi! C'est quoi ton travail? J'ai tant qu'il est lamentable! C'est dans mes cordes! C'est assez, ça perdit Popeye. Je me farcis vos chamailleries tous les jours. Il est temps de le prouver. Échangez vos postes immédiatement et réglez ça une bonne fois pour toutes. Je relève le défi. Allez, mets-toi en route, chauffeur. T'es déjà en retard. Le prochain arrêt est boulevard Corail. En vous remerciant pour cette escapade, votre chauffeur souriant vous souhaite une bonne journée et espère vous revoir. C'est bien toi! Oui! Je rêve souvent que je prends le bus et quand les portes s'ouvrent, c'est toi qui es au volant! Je peux savoir pourquoi je suis dans ce rêve! Pas juste dans celui-là, mais dans tous mes rêves! Ça suffit! Lâche-moi et paye ton billet! Et j'espère que tu as la... J'ai fait mes fonds de poche et j'ai la pointe! Cling! 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 Oui, non, ça suffit, la petite monnaie! Cling, 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 cling! Hey, Carlo! Hey, Carlo! Hey, Carlo! Hey, Carlo! Hey, Carlo! Quoi? T'as bien besoin d'un copilote! Non, merci! On va bifurquer, mais jamais sans clignotant! Je ne veux pas de copilote. Très bien.
fais ça. Va t'asseoir à l'arrière du bus. D'accord. Mais ça, c'était une journée incroyable. Non, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'en ai assez! Je vais vous expulser tous les deux! Allez, hop dehors! Et où il est passé, la brûlée? Il est aux toilettes. Mais ça, c'est la sortie de secours! C'est pas les toilettes! Y'a plus de papier à popotin! Ok, tout volant? Bah, c'est moi, bien sûr! Pour les pressions extrêmes. Oh non. Tu t'es vu. Tu t'es vu. Ça suffit! J'arrête tout! J'arrive pile en même temps que le crabe croustillant itinérant. Un pâté de crabe, s'il vous plaît. Vous voulez un pâté de crabe? Et c'est parti! Un pâté de crabe pour le monsieur et que ça saute! Tout de suite, un petit pâté de crabe! C'est pas très marrant, les années, Caro. T'as trouvé les fruits? Non, mais j'ai ramené un truc encore mieux. T'es vu dans un matin tout au fond dans la mer. Fini de jouer, les enfants. Il est l'heure de se coucher. Allez, fiston, cette tête en plastique sera toujours là demain matin. Tu viens, Calamine. Oh, bonne nuit. Faites beau rêve, mon grand garçon. Quelle lumière! Oh, excuse-moi. Mais j'ai une grosse fin dans mon petit bidon. Oh, pourquoi vous mangez rien du tout? De mon temps, on savait partager. Désolé. Oh, ne t'excuse pas, mon petit chéri. C'est normal, tu es en pleine croissance. C'est qui, mon grand garçon? C'est moi, le grand garçon. Oh, d'ailleurs, j'ai encore très faim. Les 12. Merci. Oh. Dis, Patrick, tu ne te sentirais pas un peu plus grand qu'avant? Non, merci, j'ai plus faim. Je vais chercher la caméra. On démarre dans 5 minutes. Et bon, ne bouge pas. Parfait. Bonjour à tous, chers spectateurs, et bienvenue au Patrick Show! Oh! Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais qu'un plus gros Patrick, ça veut dire des plus gros rires! Coucou, c'est moi, Patrick! Oh, zut,
j'ai fait une bêtise. Pince de crabe impérial. Merci. Mission spéciale, un monstre géant attaque la ville. L'armée a été appelée pour le combattre. T'es sûr? Édition spéciale, pas de panique, tout va bien. Mais pourquoi tout va jouer à un tel vampire? Fais à volonté. Nous allons l'abattre avec des missiles nucléaires. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à faire du mal à mon grand frère. C'est pas du tout un monstre, il a seulement une ossature lourde. À la volonté. Oui, oui, ils font mal ces moustiques. Maquillage. Je rêve ou il a encore grandi? Des radiations nucléaires ont sûrement affecté la peau de Patrick et l'ont rendu gigantesque. La solution est donc de faire entrer des radiations à l'intérieur de lui pour qu'il retrouve sa taille normale. Au point où on en est, je veux bien essayer. À toi de jouer, soldat. Garde à vous. C'est moi le grand garçon. Hot dog. Ruff, 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 ruff. Et pourquoi y a pas de moutarde? Escouade moutarde, en avant marche. J'aurais préféré du ketchup. Je commençais seulement à me mettre à l'aise. Oui, et moi, je commençais seulement à me faire digérer. Déboucheur. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Patrick? Allez, viens. Oui, l'eau est aussi délicieuse qu'un chocolat chaud en train de tiédir. Allez. Du chocolat? Ok, alors j'y vais. La plus importante de toutes, ne pas aller sous l'eau. Allez, Patrick, remonte à la surface. Je suis là, ça va. Je vais bien. Non, c'est pas ça. Au secours. Ah oui. Patrick, explique-moi comment est-il même un temps soit peu possible que tu aies obtenu ton badge de natation. C'était super fastoche, je l'ai fabriqué moi-même. Évidemment, tout s'explique à présent. Eh bien, je suis navré de t'informer que les enfants sans véritable badge de natation n'ont accès qu'à un seul endroit. La piscine de Tétard, c'est tout, entendu? Oh, mais non! Non! S'il vous plaît, je veux pas rester avec les bébés! Bon, si tu le souhaites, alors je peux tenter de t'apprendre à nager. Oui! Laisse-moi réfléchir. Je pourrais l'attacher à une balise. Je pourrais le remplir d'hélium. Oui, pourquoi pas. Plus attaché chirurgicalement à un moteur en roi. Oh non, ça ferait des dégâts. Non, interdiction.
Ne t'inquiète pas, Patrick. Un jour, tu verras, tu seras un expert en natation. Ouais, j'ai juste un expert pour couler, c'est tout. Eh bien, si Patrick peut pas rester en surface s'amuser avec nous, dans ce cas-là, il faudra que nous, on s'amuse avec lui au fond du lac des Ocrasses. Que nous, on s'amuse au fond? Oui, bien sûr. Vous êtes déjà sous l'eau, on n'est plus à ça près. Vous, les créatures de la mer, vous pouvez respirer sous l'eau. Non, c'est vrai. Surtout que personne ne panique. Madame Puff a la situation bien en main. Reste calme, mon petit Bob, tu ne crains plus rien. Madame Puff est là pour te sauver. Pour me sauver? Mais me sauver de quoi? Mais du fond du lac, voyons, tu as coulé, mon garçon. Hein? On n'a pas besoin d'être sauvé, on s'amuse, c'est une fête dansante. Oui! Venez donc gâcher un peu avec nous, Madame Puff. Oh, Neptune soit loué, vous êtes tous sains et sauvants. Attendez. Vous donnez une fête dansante? On a fait exprès de descendre au fond du lac. Moi, mais quand même! Vous avez fait exprès de couler pour organiser une fête dansante. N'est-ce pas qu'il s'en fout que la règle la plus importante de ce lac est de ne pas descendre sous l'eau? Oui. Vous allez tous rester là où je peux vous surveiller. Attendez. Où est donc passé Patrick? Hé, hey, Madame Puff, vous avez vu, je crois que j'ai enfin pris le coup pour cette histoire de natation. Je pense que je vais aller me coucher, je ne me sens pas très bien. Je vais ouvrir. Surprise. Salut, sœurette. Salut, Sandy. Oh, c'est que je ne vous attendais pas avant demain. Oui, mais je sais combien tu aimes tes nièces, alors je te les ai amenées un jour plus tôt. Je te présente ma sœur Rosie et mes trois nièces. Macadamia. Enchantée. Noisette. Enchantée. Et pistache. Les filles, voici mon ami Bob. Oh, quels adorables petits anges. C'est tout à fait le mot, oui. Bon, faut que je file. Liberté! Ça m'ennuie qu'elles arrivent aussitôt. Je n'ai pas terminé leur cadeau. Ne te fais pas de bile, ma jolie. Je vais surveiller les filles pendant que tu termines. Et merci, Bob. Mais je dois t'expliquer deux ou trois choses si tu dois t'occuper de... Je crois quand même que je m'y connais un peu en babysitting. Oh, excusez-moi. Vous avez intérêt à bien écouter Oncle Bob, toutes les trois. Et yep! C'est l'heure de l'histoire! Poulpe d'or et les trois ours des mers. Chapitre 1, l'entrée par effraction. Ne gâche pas ta salive! On va te la faire courte! Certains enfants aiment les livres, mais nous, on préfère le préfère! Vas-y doucement avec Oncle Bob, ok? C'est pour vous, trois boulettes en forme de poupée. Peux-tu arrêter de te déguiser assez longtemps pour me préparer des pâtés de crabe? C'est marrant, direz-moi. Vous êtes hilarants comme ça tous les deux. Vous êtes devenu votre pire ennemi. Mon petit Bob, à partir de maintenant, le babysitting, c'est hors de chez moi. Et toi, Carlo, tu te déguises en Bob sur ton temps libre. Comment faire? Non, d'une pernique.
Ah là, c'est beaucoup mieux. On veut les fauteuils rouges. C'est lui où t'es assis. Et vous comptez l'avoir comment? En t'affrontant au bras de fer. Allez, prêt? Feu! Affrontez-vous. Oh, il reste un brebis. C'est trop gentil de m'en avoir gardé un. En plus, je vais pouvoir regarder la télé. Oh, t'es trop méchant. Où est notre tati? On veut s'en aller. On veut tati sorti. Mes petites chéries, j'ai préparé un cadeau juste pour toi, toi et toi. Par la queue d'un serpent à sonneur, les écailles d'un tatou, notre tati Sandy, c'est carrément un génie. Ouais. Oh, je suis désolée Sandy, finalement je crois que je ne suis pas un très bon babysitter. J'ai tenté de t'expliquer la règle de base pour garder mes nièces. C'était quoi? Ne jamais garder mes nièces. Au revoir, Daddy Sandy. Au revoir, oncle Bob. Voici votre livraison d'esprit. Avec ces deux fantômes complètement dégénérés, je peux vous garantir que vous allez manger vos chaussettes. Mais pourquoi je ferais ça? Ouais, mais nous on travaille que quand on a envie de le faire. mais non, il plaisante. Je compte sur vous les gars, c'est pas le moment de me mettre là-haut. Oh, t'as perdu ton petit chapeau. Attends, on va vite t'aider à aller le récupérer. Bienvenue chez les étoiles, messieurs. Vous êtes prêts à faire de ce lieu une maison hantée? C'est quoi cette histoire? Oh, Sandy! Ce sandwich manque un peu de piquant. Bon appétit! C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé! Désolé les jeunes, on a fait de notre mieux, mais vos parents sont simplement trop bêtes pour être effrayés. Non, vous êtes les pires fantômes que j'ai jamais vus. Même moi, je peux faire plus peur que vous. Tu crois ça? Je parie que t'es même pas capable d'effrayer Sméagol. Oh mais bien sûr que si que je peux. Et vous allez voir. Il y a toujours de la monnaie sous les coussins d'un canapé. Je crois que j'ai trouvé un sac rempli d'argent. Qu'est-ce que... Le visage n'est pas à vous. Au secours. Carlos, j'en ai besoin. J'avoue qu'on peut pas lutter contre ça. Ce petit a un talent naturel. Bon, l'idée d'une émission qui fait peur, on oublie. Alors il nous en faut une nouvelle, et vite. Vous deux, vous êtes patibulaire et très antipathique. Donc, on peut faire une émission de relooking. On y va. On va prendre deux fantômes très laids et on va en faire de vraies beautés. Et voilà le travail. Vous êtes beaux à mourir. Mais qu'est-ce que... Ça alors? Ils sont morts de rire, c'est dramatique. Mais ça fait une émission de qualité. Waouh, ça nous a ramenés à la vie parce qu'on est doublement morts. Hey,
savais pas qu'on nous avait enterrés dans un si beau costume. T'es incroyable, petite. Tu nous as carrément ressuscité. Oh, seul, ce sont les frères Larnac. Vous m'avez emprunté 10 dollars en 1926 et vous avez quitté la ville. Si je prends en compte l'inflation et que j'ajoute les intérêts, je dirais que vous me devez environ 472 000 dollars. Et 9 centimes. Ouais, mais on n'a plus un clou. Sauf des clous de cercueil. Rendez-moi mon argent, bande de voyous. Jusqu'au dernier centime. Complètement seul. Eh bien, si je suis seul dans ce camp, autant en profiter. J'ai plus trop besoin de tout ça. Votre attention à tous, je veux dire, votre attention à moi-même. Camp Coral est dès maintenant rebaptisé Camp Bob l'Éponge. Je déclare le Camp Bob l'Éponge officiellement ouvert pour votre plus grand amusement. Et c'est parti! C'est une magnifique journée ici au Camp Bob l'Éponge avec Bob l'Éponge sur le monticule. D'abord l'élan. Yeah! Et le lancer. Rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il n'y a personne. Le silence est complet dans les gradins vides, tandis que Bob l'Éponge quitte le terrain et se dirige vers les vestiaires pour chahuter avec lui-même. Hé, habillez-vous, s'il vous plaît. Hé, me dites pas ce que je dois faire. Oh. Je déclare le camp Bob l'Éponge officiellement ouvert. Pour absolument personne. Invisible. Yahi! Est-ce que ça te dirait de rejoindre le camp Bob l'Éponge? C'est gratuit pour les escargots. Voilà, trop beau. Je te souhaite la bienvenue au camp Bob l'Éponge. Et je lance. Et tu sors. Salut, est-ce que ça te ferait plaisir de rejoindre le camp Bob l'Éponge? C'est gratuit pour les lapins de mer. Oh. Wow. Salut à tous. Et vous alors, est-ce que ça vous dirait de rejoindre le camp Bob l'Éponge? Allez, venez, c'est gratuit pour tout le monde. Tu as mangé, laisse-le tranquille. Sois sympa. Un peu de tenue, voyons. Le camp Bob l'Éponge ne saurait tolérer les disputes. Amour et harmonie, faut vous rappeler. Oh non, quelle horreur. C'est une vraie bagarre de rue. Et on n'est même pas dans une rue. Campeur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas des animaux. Attendez, si, vous êtes des animaux. Non, Dabi Gorno, dans quel état ils ont mis mon magnifique camp Bob l'Éponge? Oh, comment faire? Je suis fichu. Oui, tu l'as dit, Gary. Miaou. Gary? Bien. Oh, la clarinette de moniteur Carl. Oh, j'ai saisi. La musique. La musique apaise les mœurs et les bêtes sauvages. Ooh.
journée. Eh bien, excellent, tu n'y as jamais. Je suis désolé d'avoir mangé ce que t'avais dans le ventre, Bob. Ah, que j'avais faim.